frère. Là, on va faire un escape game, The Dark Dream. On peut nous toucher, on peut nous mordre, on peut nous faire pipi. Du coup, là, on va commencer. Ils seront dans leur rôle dès le début. Et je pense que c'est parti. Ah, bah, c'est eux qui viennent nous ouvrir ou c'est. Je pense qu'on attend. Du coup, on a tous une GoPro chacun. Abonnez-vous, on aura peur pour vous. Là, c'est ouvert, c'est ouvert. Il met un coup de bruit. Ça comment? Les frères, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Let's go, fini. C'est quoi ce bruit? Shit, j'ai peur. Bobby, Tatoche, moi je vais pas finir cette vidéo. Moi j'ai un mec qui me touche. Réflexe pas. Coup de coup. Direct. Parce que moi je suis vif. Je suis vif, poto. Oh. Et oui. Et moi dès que je vois le gars arriver, dès que je vois le combinaison, je dis, eh viens, on joue à la bite. Oh non, hein. Le monstre qui va me toucher, il va faire. Oh. T'arrêtes pas. Touche-moi. Moi, je pense, je vais essayer de pas trop crier. Moi, je vais crier de baiser. Oh non. Parce que c'est celui qui va le plus crier qu'ils vont isoler. Ouais, c'est ça, ils vont se dire, ah lui, il est non. Sensible. Moi, je pense que c'est celui qui va. Justement, il fait trop le mec. Ah ouais, tu fais le mec, toi. Moi, je pense, ah ouais, tu fais le mec. Ah, t'as pas peur. Viens, viens, viens. De toute façon, moi, c'est toujours le noir qui meurt en premier. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Je pense que tu prends bien celle-là, franchement. Ils vont ouvrir eux-mêmes. Mais c'est parce que c'est pas ma clé. Elle arrive pas à ouvrir, ça commence mal. Bonjour. Pourquoi il est pas là? Je sais pas, ton premier chien. Ok, bah bonjour. Ouais. Ça fait pas tout ça. Tu l'as trop fait. En motif, chaou. C'est un bar d'arguilé ou quoi? Ça fout le narguilé. Comment? Ah, c'est. On est à zéro. Ah, c'est, dépêchez-vous! Faut bien, c'est toi, fils de ma gueule. Mais oh, arrête de faire. Il ne faut pas faire ça. Eh, si, il marche comme le mec dans le cutter, dans la course. Merci. Une décharge. Une décharge. Ça, je reconnais, c'est un pack technologique, ça. Je sais pas quoi faire mon testament, non. Décharge signée pour avoir 100 000 abonnés de plus. Ah, mais c'est le pack. Mais t'as déjà fait ce pack, Téban, non? Ouais, j'ai déjà fait. Ouais, t'as déjà fait. Acceptez-vous de vendre votre âme? Bizarrement, il fait bien sombre pour la décharge. Hein. Tu peux pas lire. On peut pas lire. Oh là là. Il n'est pas conseillé aux personnes souffrant de conditions médicales. Ah, bah j'ai une condition médicale. Moi, je suis myope. Blake, ça compte. Être faible n'est pas une condition médicale. Eh, je sors de battle de rap, je vais te vanner, moi. Moi, je te vanne. Dépêchez-vous de remplir. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, maîtresse. J'aime bien votre outfit. Zara, H&M, non? 15 ans. Fais le malin. Fais le malin. Pardon, pardon. Faut signer où? Je signe tout, tout. Tout. Je dois donner mon amaki, là. À tout le monde. Mon téléphone, c'est pas moi. J'en perds mon numéro de téléphone. Mon téléphone, putain, j'ai mis ma date de naissance. On est comment, ça? C'est quoi la date? On est le 5. C'est la date de ta mort. Et ouais, bah, oh non, je sais pas. J'ai fini, monsieur. J'ai signé. 5 octobre? Ouais. C'est quoi, octobre 10? Octobre 11. T'es allé à l'école, toi? C'est 10. Ah, c'est 10? Bah, 11, c'est 9. Ah oui, merde. Mais finis tout, Evan. Attends, mais j'ai sauté quelle classe, là? En plus, il dit, t'es allé à l'école. Le coup de son corps. Comme je disais à vos collègues, moi c'est le sergent B. Donc toutes vos phrases se terminent par sergent B. Est-ce que c'est clair? Oui, sergent B. Pourquoi êtes-vous ici? Je sais pas, vous. Comment est-ce qu'on fait? J'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose, qu'il se passait quelque chose ici. T'es un menteur. Ok. Bah, je sais pas ce que je fous là, désolé. Vous allez rentrer dans un labyrinthe de 1200 m² qui plongeait dans le noir complet. Pour votre sécurité, vous mettez toujours les mains devant vous quand vous vous déplacez. On ne court pas à l'intérieur. Mais vous avez le droit de courir. Hein? Ça veut dire que moi, je vous recommande de pas courir, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien évidemment. Ça va se casser la tronche. Les personnes, choses, appelez ça comme vous voulez, à l'intérieur, ont le droit de faire tout ce qu'elles veulent sur vous. Elles peuvent vous toucher, vous attraper, vous séparer, vous isoler, vous mordre, vous soulever, vous projeter contre les murs, vous mettre par terre, grimper sur vous, vous tirer dans le noir. J'ai envie de faire caca. En revanche,
vous, ne les touchez pas. Non mais excusez-moi sergent B, mais comme on a l'UFC, hein, du jiu-jitsu brésilien, des prises de catch, on est... Ah, il y a John Jones en fait là-bas en fait. Non mais j'ai compris, il y a John Jones. Il y a Islam Makhachev là-bas. Non mais il y a Hamza Chimaev. C'est pareil pour les décors, ne touche pas à les décors. Et si c'est pas un escape game, c'est un spectacle d'horreur immersif. Donc l'histoire dépendra de vos choix, alors tâchez de faire les bons choix. C'est clair? Oui sergent B. Sergent B, j'ai une question. Les questions c'est après. Pourquoi? Merci sergent B. Pourquoi sergent B? Parce que je vais peut-être répondre à ta question. Sergent B. Avant que tu la poses. Oui sergent B, c'est mes questions. Sergent B, ça veut dire quoi? Bite. J'ai dit que c'est moi qui posais les questions. Ah ok. Sergent B. Mais du coup sergent B, ça veut dire sergent Bertrand? Écoute, ah mince. Non, c'est pas que tu comprends pas quoi. C'est moi qui pose les questions. C'est vas-y, vas-y, vas-y. Je disais que vous devez écouter les personnes à l'intérieur. Si vous refusez de tempérer, vous aurez des avertissements. Des avertissements, c'est tout le monde qui sort. Alors on gère et on gère ses potes. Oui, sergent B, les frères, sergent B. On est soudés, tout le monde coopère. Une équipe. Oui, on est soudés. On est une équipe. On est une équipe. Est-ce que tout le monde mange de la viande? Oui. Oh, sergent B, sergent B, sergent B. Non, moi je mange pas de viande. Par choix ou par allergie? Moi je suis végétal. En fait, je fais une diète. On s'en fout de ta vie, frère. Bah oui, oui. Oui, on mange tous de la viande. On mange tous de la viande. Parfait. Dernière règle, si vous souhaitez abandonner, vous mettez les mains en croix comme ceci et vous dites j'abandonne, j'abandonne. Tout abandon est définitif, mais individuel. Okay. Donc si toi t'abandonnes, les autres peuvent continuer sans toi. Et inversement. Mais parce que moi, des fois, tu vois, genre libérer mes gars et tout, je fais souvent ça, libérer tous mes copains et tout. Non, mais tant que tu dis pas j'abandonne, c'est bon. J'ai une question, sergent B. Du coup, si on fait ça, mais on dit pas j'abandonne. Il a dit, tu poses pas de questions, sergent B. Je vais faire les deux ensemble. Evan, écoute un petit peu. Donc, ça et. J'abandonne, j'abandonne. Ah, donc, je préfère libérer mes gars si on a oublié quelqu'un. Si je dis libérer mes gars, y'a rien. Ouais, genre, si par exemple, on est dedans et y'a que toi, je. Allez, prenez vos affaires, on y va. On y va. On peut même pas poser de questions. Allez, vos affaires. Qui avance en premier, j'ai peur. Bah toi. Mais c'est ta vidéo ma gueule, hein. Et c'est... Pardon. Dernière chance pour aller aux toilettes. Oh c'est bon. Non, c'est bon, sûr et certain. Là c'est encore un piège. Si tu pisses à l'intérieur, je te ferai boire ta pisse. Oh, par contre, je vais pas te derrière. Je vais pas te derrière. C'est vos affaires à l'intérieur, les téléphones, les montres connectées. Tu vois rien sans tes lunettes? Waouh, je vois rien. Alors tu les gardes. C'est ça. Ouais, il voit rien, genre. Il voit rien. Et c'est pas un ivoirien pourtant. C'est un haïtien. Est-ce qu'elles vont se casser en fait? Si tu fais des blagues, je veux que tes blagues soient drôles. Si elles ne sont pas drôles, tu ne les fais pas. Du coup, j'ai une blague. Si tu ne fais pas rire, tu rentreras tout seul en premier, d'accord? J'abandonne. Non, non, tu dois faire. J'abandonne, ok. Fais. Faut qu'elle soit drôle. Faut qu'il rigole. Qu'est-ce qui est transparent et qui court dans les champs? Oh! Un troupeau de vitres? Tu rentres en premier. C'est drôle, non? C'était gênant pour tout le monde. Tu rentres en premier tout ça. Bref, vous mettez contre le mur. J'espère que vous avez bien dans les poches. Contre le mur. Tu rentres. Ah. Ah, moi aussi on peut me tripoter ou c'est que lui? Mettez-vous contre le mur, je vous ai dit. Oui. Sergent, est-ce qu'il y a moyen qu'on me mente? Si on va abandonner, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? J'abandonne. Oui, oui, pas toi. Oui, pas toi. Et lui, Rebecca, à côté. Va prendre, là, j'abandonne. Je vais lui mettre dans le coin. Je le jure, Bobby l'a apprécié. Moi, j'aime pas qu'on me touche. Moi aussi. Oh, la vie de ma mère. Attendez ici. La tête d'homme, je rentre au milieu de vous deux. Evan, ça fait peur! Evan, ça fait peur! Evan, ça fait trop peur! Là, Evan, je crois que je vais abandonner! Salut! Evan! Evan! Quoi? Je t'avais dit que ta blague était pas drôle. Ma blague? C'est vrai, mais chef, je te jure, j'ai pas envie qu'on me touche comme un mort. Laissez-vous rentrer. Je panique. Ça sent la chihuahua. Bien. Oh putain. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui, non, je dis, pardon. Vous êtes ici parce qu'on a besoin de vos services. Oui.
On suspecte des expériences réalisées sur des enfants à l'intérieur. Oh. Des expériences du nom d'Infentum Malou. Alors, on a envoyé une équipe il y a déjà un mois qui n'est jamais revenue. Votre mission est de rentrer à l'intérieur et de récupérer le maximum d'informations et de sortir d'ici avec un rapport complet. La porte est ouverte ! Je compte sur vous pour sortir d'ici vivant. Une sorte d'envie. Avec un rapport net, clair et précis. Non, Sergent B. Moi, j'ai peur de baiser, hein. Sergent, j'ai une question, Sergent Chef. Sergent B. Non, je t'ai déjà envoyé, bravo. Alors, bravo. Bravo. C'est quoi ce bordel? C'est un jambé, j'ai vraiment peur. Hein. Mais Evan est mort, là. Pardon, c'est un sens par là où il s'est fait embarquer, là? Oui. Allez, chasse. J'y vais. Allez, on va récupérer notre pote. Au nom de Jésus. Mais on voit rien. Hé, dégage. D'accord, pardon. Oui. C'est quoi, il fait quoi là? Mais pourquoi il fait le gaffe? Avancez. Pourquoi il fait le gaffe, sa gueule? Aïe, aïe. Il y a la croix. Il y a Satan. Ah, c'est Robin, non? Sergent. Répète après moi. Oui. Ego, Epilicabo. Ego, Epilicabo. Ego. Falato. Epilicabo. Ergo sum. On a tout fait. C'est une prière qui veut dire. Que... J'accueille Satan. Non. Avant ça. Non. Tu as accueilli Satan. Non. Maintenant tu es maudit à jamais. Oh putain. À partir de maintenant, tu es maudit. Non. À jamais. Appelle à l'aide. À l'aide. Que tes amis qui peuvent t'aider. À l'aide. Eh hey, les gars, faut qu'on aille chercher Evan. Faut qu'on aille le chercher. Faut qu'on aille chercher Evan. Eh hey, les gars, pensez à Evan. Pensez. Clément. Non, c'est la dernière fois que je fais ça à la tête de mon père. Y'a quelqu'un qui parle. Les gars, y'a quelqu'un qui parle. Evan. Chase. Aidez-moi. Evan, t'es où? Je suis là. Les gars, faut aller. Faut aller, les gars. Non, c'est de quel côté? Je sais pas. C'est qui est là? Y'a qui? Pardon. Avance, voilà. D'accord. Il m'a mis tout seul. Pardon. Mettez-moi à genoux. Il m'a mis tout seul. Il m'a dit. Tu as été accueilli par Satan. C'est trop tard. Tu as été accueilli. À partir de maintenant, vous avez accueilli Satan parmi vous. Vous avez profané Satan. Vous avez une erreur à réparer. Non. C'est quoi l'erreur? Suivez-moi. Moi, je suis Jésus. Suivez-le. Vite. Il est par où, là? Ne les écoutez pas. On les écoute pas? Ok, avance. Avance, Mélanie. À gauche. Oh putain, c'est... Suivez la lumière. Elle est où la lumière? Elle est où la lumière? On avance, hein. Attention, vous arrachez les ombres. Avance. Va les dents, Seigneur des anges. Seigneur de... C'est fort en émotion. Il est où, Chess? Libérez les gars. Il est parti, il reviendra peut-être pas. Ah, les gars, la violence. Ne leur faites pas confiance. D'accord. Une chose, vous rentrez ici sans ma permission. Vous m'adressez même pas la parole correctement. Le minimum de la politesse. Et enfin, vous fermez pas la porte derrière vous. La moindre des choses. On peut pas construire une relation saine sans politesse. Mais...
Non. Mais si, non. Oh, je pourrais t'arracher les os. Seigneur. Oh, Seigneur. Je pourrais t'arracher. Oh, c'est Jess. Ah, Jess. Jess. Contre le mur, allez. Jess, t'es vraiment soumis. Vous avez... Quoi, t'en veux encore? Non, c'est pas pardon. Il a dit, il aimait bien. T'aimes bien? Non, lui, il aime bien. Non, c'est bon, Il a dit qu'il aimait bien. Non. Il était bien, ça, non? Ouais, je te tue. Je crois qu'il... Non, c'est l'oreille. Non. Oui. Je vais te tuer. Maintenant, c'est mort. Arrêtez. Vous savez... Il va lécher l'œil. Il va lécher l'œil. Opération de quelqu'un. J'ai une théorie. Quoi? C'est lui, il a parlé, c'est lui. C'est lui, c'est pas moi. Pardon. J'ai fait l'intérêt. T'as ouvert ta gueule maintenant. Assume. Je déteste les lâches. Pas deux, c'est tout, je déteste les lâches. Je dois dire quoi, ma théorie? Ouais, vas-y. Moi, je pense... Ferme ta grande gueule. Vas-y, parle. Ah, bah encore? Non, c'est bon, on pense à autre chose, non? Ouais, t'as pas fini ta phrase. Non, ma théorie, elle est nulle. Oh là là. Tu continues à parler, tu vas aller. C'est ouf. Que sors toi, oui. Tu parles maintenant. Oh là là. T'as voulu assumer, tu parles. Eh, t'es persévérant. Ah. Bah, ma théorie, c'est juste que ça fait peur de ouf. Il est con, vous avez fait une lobotomie, oui ou non? Oui, non. Est-ce que c'est une lobotomie, oui? Oui, on ouvre la boîte crânienne et on observe le cerveau, quoi. Exactement. Plus que l'observer, c'est lui qui me l'a dit, Non, c'est grave faux. Attends. C'est grave faux. Il y a plusieurs façons de faire une lobotomie. Ah bah là c'est plus une sodomie là. Voilà, tu es obligé. Ah, tu es plus proche de moi, j'ai compris, c'est non, ça. Non, c'est bon, ça va aller, ça va aller. Tu veux que ce soit à ta place? Non, là ça va aller. Ah, vas-y, mets ton front là-dessus, vas-y. Allez, remets-toi. Une lobotomie, il y a trois façons d'en faire. Quatre pour être tout à fait précis. Ça te fait rire? Non. Allez, mets ton front là. Il fait quoi? Vous faites quoi là? Lobotomie, la première, c'était de mettre un pic à glace sous l'œil. On rentrait un pic à glace et on faisait tourner le pic à glace autour des membranes du cerveau jusqu'à l'arracher. La personne devenait alors stupide, comme ailleurs. Mais il y a d'autres méthodes. Le point de dislocation, c'est ce point osseux qui est ici. Ah, c'est si on appuie à la bonne force, ici, il y a moyen de briser tous les os. D'un coup, ils vont tous partir du même côté. Si on appuie trop fort, par contre, on enfonce les os dans la chair et dans le cerveau. Le problème de cette méthode, c'est qu'il faut avoir la bonne puissance pour avoir un bon tour de réussite. Comment qui a survécu à ça? Toi. La gueule. Mais non! Je suis désolé, prends les temps. Est-ce que je peux dire juste quelque chose? Je peux dire quelque chose? Je t'écoute. Je tiens vraiment à m'excuser. J'en ai rien à foutre. J'ai fait ma grande gueule de plus. Maintenant c'est clair. Il n'y a qu'une seule enfant qui a survécu à ça. Le mythe. Pour que nous puissions avancer enfin. Sors de là. Hein? Est-ce que t'es calmé mon grand? Tu m'as rapporté un saut. Y'a un zéro les gars. Un zéro. Qui suis-tu? T'es plus malin. 18? Je pense qu'on est au bout de ça. Moins con seulement. Voilà, Aria. C'est quoi ça? Aria, c'est rentré ici. Mais les vertébrés. Magnifique. Ça, c'est une lobotomie à la dislocation. Pour le faire ressortir de la ça va? Bonne surprise. C'est cool, hein, c'est chouette. Ce qui dit qu'il y avait son cadavre, pas qu'elle était morte, c'est le problème de cet endroit. À force de souffrance accumulée de ces 300 enfants qui sont morts encore et encore. Faites-moi voir vos mains, allez. T'as des mains de travailleur, toi, tu bosses avec tes mains. Ouais, je bosse beaucoup. Surtout la main droite, je sais pas. Ah, ça se voit que t'es un branleur.
voudrais avoir envie de toi. Non. Mets la main là-dedans. Non. Mets la main là-dedans. Mets la main. Je veux que tu me sortes un doigt. Non, c'est mouillé. Non. Je vais sortir ça. Non, mais tu mets pas mon arrête. Non. Tu mets la main dedans. Vas-y, bonhomme. Mets pas ta main, Bobby, mets pas ta main. Tu sens, wesh. C'est déjà mieux que du sperme toute la journée. Allez, sors un doigt. Voilà. Et suis sur la table, je sais pas. C'est le doigt de l'apprenant. De celui qui a pris le bon Jésus. Jésus, j'ai. Je suis mort. Ce doigt. Celui que j'ai pris à une enfant. Non, et toi, viens, mets ta main là-dessus. À une enfant qui a un jour essayé de s'échapper, contredire ce que je lui disais. Je lui ai expliqué la différence entre la confiance et la loyauté. Ça, tu veux que vous le reteniez bien, d'accord? Ça va vous servir. La confiance, c'est de savoir que j'allais taper à côté. C'est simple. La confiance, on peut pacifier. On pourrait très bien se louper, faire une erreur. Alors, comme je disais, une enfant qui a voulu s'échapper, j'ai pris ma lame et j'ai appuyé. Aïe! J'ai appuyé jusqu'à ce que ses tissus se déchirent. Prêt! J'ai frappé à ses morts pour que ça brise le sang! Une fois que j'ai arraché, ça, c'est la loyauté! On peut se fier qu'à ça! À une loi inflexible de punition et de récompense. C'est comme ça qu'on mène une armée. À partir de maintenant, pas mon second, d'accord? Je ne pourrai me fier qu'à toi. Ok. Il y a un membre de l'ancienne équipe qui survit ici. Ils ont refusé de me servir. J'espère que ce sera pas votre cas. Je vais être en vie des douanes, il a un crâne. Vous avez 3 secondes pour partir par la trappe. 3 secondes. 2! Va tout droit. Il y a un feu ici, c'est bon. Y'a quoi là? Y'a quoi à droite? C'est un cul-de-sac? C'est là, c'est où? Mais Van, comment tu sais? Mais je sais pas, c'est le chemin du labyrinthe! T'es le second, vas-y! Maintenant tu arrêtes. Maintenant, touchez Aria. Aria, ça va aller. C'est pas de ta faute ce qui se passe. Okay. Les frères, j'ai une technique. Vas-y. Les gars, regardez. Non, il y a un bug. Où? Là, en face, il est où? Il est où? Où? À gauche ou à droite? Les gars, faut qu'on se sépare. Faut qu'on se sépare. Loni, j'ai une technique. Attends, mais Loni, c'est le second, il veut pas aller. Super ambiance. On est en boîte. Ça gaffe, les gars. Ok, non, c'est bon. Elle est où? Oh, je sais pas. Elle est à gauche ou à droite? C'est galère, c'est galère. C'est galère. Coucou. Hey, est-ce que vous avez la fiesta? C'est la fiesta, oh. Attendez, pause. Venons, détends un peu l'atmosphère. Ok, j'ai pas. Pardon. Ok, on détend l'atmosphère. Hey, IBC. Ah, fais. Mais on est bloqué. Il est où? Non, ça s'ouvre. C'est par là. Il est où, Chess? Les gars, c'est par là. C'est par là, les gars. Faites passer par ici. Mais en fait, y'a trop de trucs, wesh. Ce soir, c'est samedi soir. Là, normalement, à gauche, on peut passer, je pense, à gauche. Y'a quelqu'un qui arrive, vite, s'il vous plaît, les gars, y'a quelqu'un qui arrive. Ça arrive, Chess. Fonce. Attends, on a le temps. Non, Chess. Les gars, bitch, Chess. Y'a quelqu'un qui arrive, Chess. Ouais, non. Ok, on y va. Là, y'a quelqu'un au sol. Seigneur. Tu es gros. Que notre père qui est au ciel, que vous, son sa sanctifié, que ton règne vienne. Il est parti, Chess. Il est parti, y'a un mec derrière toi, il est parti. Tant pis pour lui. Mais Chess, il est trop bête. Qu'est-ce que vous faites là? On est là pour respecter un mort, je crois. Arrière. Madame Itos,
Il doit derrière moi. Dernière personne vivante ici. Ok. Ok. Monsieur Fouchon, je vous crois. Ils sont tous morts. Mais ils jouent. J'ai une petite question pour vous, s'il vous plaît, madame. Attrapez-le. Attrapez-le. Bien fait. Avancez. Mais si, c'est un labyrinthe, ça. Il faut que je rentre. Rentre. Eh, Pierre, fais ciseaux, le mur de rentre. Je rentre. Aria, est-ce que c'est ici qu'il faut passer? Est-ce que c'est ici qu'il faut passer? Ah, je sais pas, les bébés. Chess, il est pas passé. Chess, pourquoi tu ressembles à mon père? Je suis... Non, c'est pas moi, je te jure, c'est moi. C'est toi, toi. Non, oui, c'est lui. C'est lui. C'est lui, ton père. Evan, dis-lui que t'es son père. Non, je suis parti au tabac. Dis-lui que je suis parti acheter du lard. Dis-lui, oui, ma fille. Attends, il y a un chemin de souffle rampé, je crois. Où elle est partie? Eh, qui y va? Bobby. Eh, vas-y, j'y vais. Mais Loni, il a des couilles en or. Loni, t'es le chef des Jackson. Tu m'as abandonné? Tu m'as abandonné, papa. Tu m'as abandonné. J'ai brillé sur Paris, il y avait une côte à l'île. Alors allonge-toi sur le sol. Oui, pardon, ma fille, je ferai tout ce que tu veux, ma fille. Tu m'as regardé m'abandonner. Tu sais ce que j'ai appris, papa? Dis-moi. Ah, t'as pas raconté, méchant. J'ai appris à être... Oh, arrête. Avec la tête des petites têtes. Ah ouais. Alors, papa, je t'en veux de m'avoir abandonné. Ah ouais. Mais c'était juste du lait, on les céréales avec les lions. Alors, regarde bien, parce que je vais t'éclater ta tête. Oh, s'il te plaît. Prends ce chemin, attention, à la une. Attention, t'es mais aidez-moi, arrête, petit. À trois. Non, je ne comprends pas. Ah, mais tu sais pas compter jusqu'à trois, normalement. Eh, maintenant, tu laisses mon pote tranquille. Tu te calmes ou je te t'éclate la gueule. Oh. T'as compris? Et à cause de toi, ils m'ont l'abandonné. Ah, ouais, trop drôle, ouais. Ça va, Ria? Ouais, qui courait dans l'herbe, ouais. Je l'attrape par la queue, je la montre à ses mains. Touche pas ma queue, par contre. Eh, hey, de putain, y'a un zombie qui dit ne lui faites pas confiance. En fait, faut pas qu'on lui fasse confiance, elle. Mais y'a quelqu'un au-dessus, là. Mais y'a quelqu'un au-dessus, là, wesh. Oui. C'est Spider-Man. Eh, faut avancer, là, ballon. Alors, je pourrais te faire la... C'est lui. Je vous promets. Promets, petit doigt, petit doigt, si vous voulez. Chapeau. Petit doigt. Juste, oui. Ah, je pars. Non, j'ai pas fait. Non, pas. Faut partir, elle a dit. Hello. C'est le livreur Amazon. Chronopost. On avance encore? Ah, c'est sympa. Oh, y'a un casque encore. Y'a un casque gaming. Non, touche pas, faut pas toucher. Ah, c'est porteur. Plus vite. Assis par terre, j'ai pas assis par terre. Mais y'a une chaise. Ah! Oh la dingue. Vous ne devez pas rester là. C'est mon cœur. Jésus. Ça va être si gentil, hein. Tu pourras le manger. Non, pitié. Je sens que t'as l'air de s'attraper les jambes, ça va bien.
Mais en fait, faut juste se baisser, pas sans soi. T'es en enfer, crois-moi. Relève-toi. Les mais... démons, au milieu non. du purgatoire. Non, les démons. Juge, la haine et les péchés. Confesse-moi. Je me suis brûlé hier soir. La luxure. Balayé. Tu dois brûler. Avance, allez. Avance. Où est-ce que... Attends, mais vous voulez pas attends, attendre ouais, attends. Ouais, on attend. Ah ouais, attends, vas-y, Loli. Wal. Ah, je descends. Aïe. Ah, mon coude. J'ai une théorie, faut qu'on avance. Les gars, ils m'ont isolé. Allez, les gars, faut... Moby, j'ai peur, ma gueule. Les gars, on est tous plaqués. Ah. Ah. Voilà, vie de ma mère. Attention. Ouais. Attention, te mets pas le coup de pied. Ouais, c'est parti. C'est ta mère, là. Tu es ma lumière d'espoir. C'est toi que j'aime. C'est toi que je suis amoureux. Qu'est-ce que t'es? Hein? Non, j'ai transpiré. Non, c'est bon, je suis calme. À ta transpiration. Oh non, mais tu as léché ma transpiration. À ta transpiration, je sais quel homme tu es. Elle va tuer qui? Il en manque un, non? Ouais. Où est-ce qu'il est? Il doit être dedans? Chef! Je le balance. Vous l'avez abandonné! Oh, pourquoi tu nous abandonnes? Tant pis, on fera sans lui. Chef! Je t'ai là, je veux pas qu'il m'attrape, c'est tout. Contre le mur, allez. Pardon. Et touchez pas à rien. Elle est dans une salle végétative. Non, ferme ta gueule. Fais attention. C'est la seule dans laquelle elle peut avoir un peu de repos. C'est nous, elle est constamment en souffrance. Vous voyez ce mouvement de bouche là? C'est la tentative de respiration d'un être dont la gorge est coupée. Son gène de la respiration n'est plus naturelle. Elle est obligée de se forcer. Ah, on va réparer tout ça! Ah, on va réparer tout ça! Ah, ah, va-t'en! Est-ce que je dois t'arracher les yeux à ton fils? Hein? Comme j'ai fait à ta sœur! Contre le mur, allez. Ici, c'est ma chambre. Vous savez, les prisonniers, ils passent leur temps à se plaindre. À dire, gna, j'ai pas assez à manger. Gna, je veux voir ma famille. Je veux pas que vous m'arrachiez les oreilles. Tout le temps en train de se plaindre. Alors moi, je vais rentrer. Je prends trop cher. Mais non, pas plus que les autres. On peut avoir de l'espoir que dans la souffrance. Hein? Alors moi, je leur prends. Oh. Mmh. Ah, bon. C'est bon. Il a une trace. Wesh. Oh, Seigneur. Seigneur. Je leur prends un œil. Oh. Seigneur Dieu. Vous parlez pas, Ziggy. Ziggy? Il est là pour s'amuser. Ne regardez pas dans les yeux. C'est quoi, il a un sharingan ou... Ta gueule. Parmi vous, dites-moi, c'est lequel le plus courageux? Quoi? C'est toi. T'es désigné tout de suite. Ouais. Alors allonge-toi par terre sur le dos. Mais est-ce que je... c'est ça... On n'est pas accepté, mon gars. Regardez, j'ai un beau mollet, quoi. On n'est rien à battre de ce mollet de merde. Ferme ta grande gueule. Écarte les jambes, t'as jamais fait l'armée, toi. T'as jamais fait l'armée. Ouais, écarte les jambes. L'armée? Non. Ça se voit. Qu'est-ce qu'on met les cartes les jambes? Faut leur écarter plus. Vous avez déjà fait une ablation des couilles? Non. C'est très simple. Une ablation des couilles. D'abord, il faut immobiliser la personne. Parce que si la personne essaye de se relever, elle va essayer de fuir. Alors on arrache les deux tendons d'Achille. Ah ouais. Il m'a mordu fort. J'ai besoin de lâches parmi vous. Plutôt lâche toi, hein. Moi je suis très courageux. Allez, bah alors tu lui prends un bras et quelqu'un d'autre lui prend l'autre bras. Je prends le deuxième. Voilà. Non. Lâche ça. Écarte les jambes. Ensuite, on monte un tout petit peu. Tu vois, cette chaîne, elle pèse un peu plus d'une vingtaine de kilos. Si je la laissais tomber sur ton visage, il se briserait en deux. Dans un éclat de sang et de peau et d'eau. Vous pouvez imaginer ce que ça fait sur tes couilles, hein. Oui. Bah, en fait, il en reste qu'une, déjà, donc... Sur Evan. C'est lequel, Evan? C'est moi. C'est... Du Master. Non, avec lui. Ok. Dis-moi stop. Regarde pas. Stop. Tu vas
On t'a dit stop longtemps, frère. Non, j'ai fait exprès, mon gars. On t'a fait stop longtemps. Non. J'avais pas assez de risques. Ok. Pour aller plus haut. Ah Evan, dis stop vite. Ok. Allez, Evan, dis-moi stop. Stop. Oh, ça va. Oh, putain, c'est bon, dis donc. Oh, putain, ça va pour les découilles. Mais ça va, ça va pour les découilles. Tu cries pas assez, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en sers pas de tes couilles hein? Je crois que... Lève-toi. Oui. Il est brave, très bien. Quoi, Ziggy? Tu le veux pour toi, c'est ça? Oui, tu le veux pour toi. Allez, viens là. Avec eux. Pardon. Non, 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 de respect. Non, tu parles pas comme ça, Ziggy, d'accord hein? Tu lui parles pas comme ça? Oui. Du respect. Respect. Je respecte Ziggy. Voilà, avant. Je te suis, je vais là-bas. Ok, oh là là, putain, ça fait flipper ça, devant. Oh putain. Et tu sais que tu fais vraiment peur. Ça fait flipper, wesh. Ce qui me rassure, c'est que tu payes des impôts comme moi. Je te jure, tu me rassures comme ça. Chef, Poutine, il est où ton casque? Il est parti dans le sable mouvant. Poutine. Désolé, pardon. Pas de fille quelque chose. Désolé. Toi. Mmh. Enlève ton t-shirt et ton pull. Dépêche-toi. Mon t-shirt et mon pull. Allez, vite. Mon enlève t-shirt tout. Et mon pull. Enlève tout. Plus vite, allez. Mon t-shirt. Mais c'est mon. Non, c'est pas mon enlève... t-shirt. Non, je... non, non, si. Enlève ton t-shirt. On en est où? Mais. Je t'ai dit là. Enlève le bananier. Enlève le. Enlève le bananier. C'est plus difficile, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais faire de toi. J'enlève tout. Mon fantassin, tiens-le. Il faut savoir accepter. Ouais, ça. Le sang de ses ennemis. Faut savoir, tu t'as déjà tué quelqu'un? Non. Alors? Wesh! Je veux que tu cries. J'accepte le sang de mes ennemis! Non, jamais, jamais. Tu vas le crier? Non. Tu vas le crier, crois-moi. Non. Si tu le cries pas, je t'arrache. Allez, bon, j'accepte tout le sang de tout le monde! J'accepte le sang de mes ennemis! J'accepte le sang de mes ennemis! J'accepte! Le sang de mes ennemis! J'accepte le sang de... J'accepte le sang de mes ennemis! Crie le plus fort! J'accepte le sang de mes ennemis! Dis pardon! Tu fais partie des miens maintenant! Tu fais partie de ces... Oh la D! Bien sûr! Oh la D! Aval! Quoi? C'est un verre, mange! Nous l'accueillons! Parmi nos soldats! Amis! Oh, wesh! Voilà, l'heureux élu! Qui a rejoint le camp des démons, petit à petit. Tu me seras fidèle à vie, compris? Donc si je te dis, avance, et te fais pas prier, tu fais quoi? J'avance et je me fais pas prier. Voilà. Les égouts. Avance, je suis Ziggy. Arrête! Non, s'il te plaît, arrête! Non, 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 non! Arrête, s'il te plaît! Arrête, arrête! Non, non! Arrête! Arrête! Non, non! J'ai peur, pardon! Arrête! Pardon, pardon, tu veux quoi? Juste parle-moi! Qu'est-ce que tu veux? Et ses vêtements, mon Dieu! Ses vêtements, c'est les miens maintenant. Jeez, non! Dis-moi, Evan. Ouais. Tes deux potes, là. Ouais. Tu les trouves pas particulièrement laids? Ouais, ils sont pas... Ils sont dégueulasses. Ils sont pas si beaux que ça, ouais. Ouais. Allez, choisis-en. Choisis le plus laid. Le plus moche. Loli, tu regardes où, là? Hein? C'est bizarre, il tourne la tête. Loli, je choisis lui. Qui sait, ouais, je prends lui, je prends lui. Non. Ah, Lola, non. Non. Ouais. C'est quoi ce visage? C'est quoi ses oreilles? C'est quoi ses... C'est quoi ses oreilles? Y'a rien qui va. Oh, pardon. Rien du tout. Pardon, faut que on va le rajouter un petit peu, hein. Wesh. Faire une nouvelle tête. Qu'est-ce que tu penses de ça? Wesh. Ah bah en vrai ça change pas de ce qu'il ça a de base. Ça change pas grand chose. Ouais, ça rallonge un peu le nez, c'est bien. Mais ça, ça m'aime mieux, ça m'aime bien, ouais. Allez, fais la bise à ton pote. Voilà. Fais la bise. Le cochon. C'est ton pote aussi. Oui. Réconforte-le pendant les moments difficiles. Fais-lui un gros câlin. Fais-lui des mots doux. Juste un bridou. Pas le plus malin, lui aussi. Allez, embrasse ta part d'animalité. Embrasse-la. Calos. Allez, mieux que ça. C'est un porc, ça, il est dans le sale. Ma chérie, porcine. Vous aimez le porc, vous? Vas-y, t'avances. Moi? Ok. Ok. Je peux être le suivant? À partir? Non, bonne quoi, attends, dernier. Moi, j'ai pas une reste en dernier. Non, j'ai pas une reste. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non.
Pardon. Ah. Wesh. Wesh. Pardon. Pardon. Wesh. Dedans la tête de ma mère. Wesh! 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 Frérot, on va rester ensemble ici! Non! Non! Non, s'il te plaît! Non. Satanas! Ah non! Et c'est dingue ce qu'ils ont fait à mon gars! C'est une dingue! Ils lui ont pressé du sang sur lui! Sans peur. Regardez-vous droit dans les yeux, vous connaissez bien, c'est bien. Oui. Je vous entends, oui, chef. Oui, oui, chef. Vous connaissez bien. Oui, oui, chef. Plus fort. Oui, chef. Nous sommes des trucs, on n'est pas des pompes. Regardez-vous dans les yeux et dites-moi lequel reste et lequel part. Je pars. Je te laisse y aller. Tu me laisses là-y. Y aller. Je te laisse y aller. Je déteste les lâches. Bah je reste alors. Voilà, je reste. Va-t'en. Non, je prends ce que t'as dans le cœur pour moi. Non, c'est beau, je me suis... C'est à moi de souffrir. Non, c'est à moi, t'inquiète, c'est à moi. Je me suis dansé déjà 5 ans. Non, je vais rester. Sergent, sergent chef, je vous suce si jamais. Putain, je vais prendre un chien, putain. Chef, faut que je me cache. Pardon. C'est vrai, on peut s'arranger ça. Ah ouais. Ferme ta gueule. Allez. Ouais, qui voudrait ta gueule de plus? Vous êtes enfermé, la poteau. Rien à ça, bah, il faut comprendre. D'accord, 4 chiffres dans ta bol. Ok. Oh putain, C'est la merde. T'es avec quelqu'un? Je dois trouver 4 chiffres dans sa bol. Hé, hey, chef, moi j'ai déjà mangé là. C'est qui lui? C'est Diggy? Il manque pas de respect, pitié. Ouais. Non, pas encore, pitié. Ça me cache. Pourquoi tu te caches, hein? Pourquoi tu te caches? Tu croyais que je te verrais pas? Tu croyais que je te verrais pas? T'es un lâche, toi? Non, c'est une petite blague. T'es un lâche? Non, c'est... Par-dessus tout, je déteste les lâches. Ok, d'accord. Non, mais c'est... Je déteste les lâches. C'est une petite blague, Gounette. Une blague, Gounette. Ok, ouais. Je vais t'expliquer quelque chose. Les gars, vous êtes là? Comment t'es sorti? Moby, tiens. Mais Moby, il est tout nu? Oh, il s'est fait déshabiller, mais tu sens son corps. Non, Moby, où? C'est ouvert. Moby, là, tu sens son corps. Les gars. Ah, il y a un code là. Oh, Tatoche. Oh, là, mon déshabille, ils m'ont rempli de sang. Oui, Tatoche. Je t'en vas. Est-ce que tu savais? Tout le sang. Ah, ok, on peut extraire d'un enfant. Tous les boyaux, quel point il y en a là. Ce que tu sais, c'est des litres et des litres. D'après, le corps humain n'a pas... Immense. C'est pour cette chose qu'on fait tout ça. Il n'a pas trop envie de tuer quelqu'un, en fait. Non, je ferai ce qu'on me dit, là. Ouais, je t'ai dit. À la petite, on lui a dit... Tu vois, au bout du couloir, à gauche, il y a une porte. Elle a répondu oui. Oui, elle a répondu oui. Et je lui ai dit, tu vois encore à gauche? Elle a répondu oui. Elle a répondu oui. Je lui ai dit, t'as 3 secondes pour être dedans. Sinon quoi? Je t'attrape. Tu vas avoir 3 secondes pour être dans ta cellule. C'est quoi le meilleur moment de notre journée? C'est la chasse. C'est comme à l'âme, parce qu'il était dans un coin. Ah. Et que les yeux de quelqu'un qui pensait s'en sortir, c'est dingue. T'as 3 secondes. Qu'est-ce que vous faites tous en dehors? Retournez dans vos cellules. C'est Elisabeth, elle a dit. C'est Elisa, la faute Elisabeth. Retournez dans vos cellules. Pardon. Elisabeth, hein, c'est encore une personne. Tu nous poses des problèmes. Dans vos cellules, allez. C'est dans 5 minutes. Vous êtes pas sortis. Non. Je m'amuserai avec vos cadavres. Vous avez ça, mes deux! Ils m'ont déshabillé! Ils m'ont mis du sang! Alors, on est tous enfermés? Libérez tous mes cons, quoi! Bobby, dépêche-toi, frère! Bobby! Allez, on est dans le petit rack,
Mais pourquoi je suis tout seul? Vous êtes des cons quoi? Il est où, chef? Hey, chef, ta race! Diable! Ça va ou quoi? Vous avez le code? Ouais. Oh! Ah! Tu veux un doliprane? Il fait le malin. Ah, il fait le malin. Oh, au-dessus, j'avais pas vu. Oh, la dé. Oh, digi, digi. Digi, digi. Digo, digo, digo. Ta gueule! Tous les jours. Seul. Ils sont tous morts. Aria. Oui, oui, oui. Aria. N'est pas dans un état normal, vous devez. Bah, toi aussi, hein. Trouvez la fou. C'est. Vous devez trouver la sortie le plus vite possible. La sortie. C'est la porte. Courez. On y va. Partez. Emmenez-moi avec vous. Ziggy, non, restez là, vous passez méchant. C'est méchant ce que tu fais. Non, non. Elisabeth, tu viens avec nous? Oui, je peux. Promettez-moi. Oh, ouais, je te le promets. Oh putain, Ziggy. Oh Ziggy. Allez-y. Oh non, c'est quoi ça? Oh non, oh putain. Non, tu vas t'en sortir. Non. Elisabeth. Il manque quelqu'un. Tu peux plus bouger. T'es coincé. Ma gueule, Non, ça va pas, ça va pas. Ils m'ont déshabillé. Attends, il m'a manqué un. Regarde comment je suis. Look at me. Comment ça peut aller, frère? Ça va pas quoi? Moi, je quitte l'aventure. Salut. Mais tu quittes quand c'est fini. T'en plus fort. Ah, ça t'a plu? C'est fermé. Ouais. Oh putain. Wesh. Mais d'accord, c'est fini. Y'a pas un truc en mode genre. On pense que c'est fini et après, genre, on tombe dans un trou. Vous reprenez les esprits, ça va aller. C'est fini. Ma mordue, vous vous rendez compte? C'est vrai? Ouais. Quel plaisir. Oui? C'est habituel chez nous. Ok. C'est vraiment fini, j'ai pas l'impression. Bobby l'a pris cher. Est-ce que celui qui a pris le plus cher, c'est Bobby? Bobby, pour tes couilles. Chacun pour sa vie dans ces conditions de là-bas. Possession de moi. J'ai autorité sur toi. Fantasie. Kirikou n'est pas grand. Okay, éclairez-moi. Mais s'il est fan.